Eh, salut tu! C'est joyeux Noël. Oui, alors Robert, dites-moi. Je vous appelle pour une proposition de vin que j'avais voulu vous faire. Quoi, une proposition de vin? Du vin? Oui, du vin. Ah, du vin, d'accord, ouais. Je croyais que c'était pour isolation ou... Ouais. Dans l'isolation. Moi, je suis. Moi, c'est pour le vin que je vous appelle. Ah, et vous appelez de quelle région? Voilà. Mais j'appelle de Saint-Émilion, Ah. pour être précis. Et comment vous êtes tombé sur mon numéro de téléphone? Non, je ne suis pas tombé sur votre numéro de téléphone par hasard. Ah. C'est que l'année dernière, nous étions bien entendu sur l'Alsace. On avait demandé à tous ceux qui étaient présents lors du salon de parrainer un proche ou ami à eux qui appréciait un petit verre de vin avec modération. C'est ainsi que bon, ben, nous avions reçu votre numéro de téléphone. Quoi? Il faut quand même que je vous appelle, vu qu'on effectue une tournée tout de même triomphale sur la région de Novo. Mais c'est pas possible, c'est qui aurait donné mon numéro de téléphone et mon nom? C'est pas possible. C'est possible, vu que Non. c'est possible. Possible. Là, à mon avis, c'est des sociétés de pub qui revendent des numéros, ça. Bah si, Ah, d'accord. c'est tout, hein, c'est pas possible. Parce que moi, je connais personne qui est au salon du vin. Donc, c'est ça, quoi. D'accord. Mais la question qui se pose, c'est de savoir si vous appréciez un petit verre de vin. Après, Non. les sociétés de pub, je n'en travaille pas avec. Non, Je vous remercie. non, je vous en prie. Hein. Au revoir. Au revoir. Ton nom, c'est d'abord dit joyeux Noël, non? C'est les. T'es les yep, sans me dire, je crois. Non, me fais quand même, fais-tu? L'homme bicycle.